Et c'est YouTube, probablement la fin de Jedi Survivor. On a enfin dévoilé le passage pour aller jusqu'à Tanalore. Traversons l'abysse. Les relais cosmodésiques ont été activés. Nous sommes parés. Tout le monde est là ou pas? Oui. Let's go. Regarde devant toi quand tu conduis, toi. Il est fou. J'espère que Grise est prêt pour un voyage mouvementé. On se dirige vers l'abysse. Active les complexes. Je vais vous observer d'ici. Que la force soit avec vous tous. Et avec toi, Zed. Tu crois que Zed met si longtemps? Dagan Gera était le seul à avoir vécu ce qu'on s'apprête à faire. Au moins, on mourra ensemble. Hé, super discours, les enfants. Avec un peu de chance, ils mettront ça sur ma tombe. Regardez. Je sais, je sais. Tu veux peut-être piloter? Je dirais pas ça. Ouais. Je suis prêt à parier que c'est ce que les autres pauvres malheureux ont dit avant de se faire broyer par un vortex. Super, c'est une course d'obstacles maintenant. Tu es plus rapide. Arrête de piloter. Et commence à voler. Je détourne la puissance des déflecteurs vers les moteurs. Quoi? T'es malade? Tu sacrifies la sécurité pour la vitesse? Exactement. On compte sur toi, mon pote. T'as raison. C'est mon vaisseau, après tout. Grigi va gérer, bébé. Un peu trop. Non, c'est pas toi. Zed, dis-moi ce qui se passe. Les complexes sont interrupteurs. Je ne peux rien y faire. Il faut aller plus vite. Eh oh, je vais aussi vite que possible. Eh, attends un peu. T'es complètement fou. Si tu sautes dans l'hyperespace à l'aveugle, on va retrouver des bouts du Mantis dans toute la bordure extérieure. Tu me fais confiance? Tu sais bien que oui, Cal. Hein? Allez, c'est parti. Maintenant. Ah.
Ah ouais. Patate bisou. C'est pas un désert. T'as réussi. C'est pas un désert. Eh bien, au moins personne n'a perdu son calme. J'espère que ça valait le coup. Il aura fallu attendre la fin du jeu pour ne pas avoir une planète désertique. Enfin des couleurs un peu azurées et turquoises. Et gris. Au moins il y a de l'eau. Même si le jeu n'aime pas ça. Ok, let's go. Voici donc Tanalor. On va se taper Baud là. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Tant de choses ont changé depuis que j'ai entendu son nom pour la première fois. Le temple est par ici. Dagan, c'est pas un désert. On voyait leur avenir ici. On sait un canyon. On voit où ça les amenait. Mais c'est pas un désert. Attends. Ah, c'est pas des plantes à récupérer. J'ai cru. Jardin verdoyant. On n'a pas la même définition de verdoyant. Je suis mort. Je suis mort parce que la caméra m'a bloqué. Impossible que ça se termine bien avec Baud. Il a déjà utilisé sa paternité pour justifier sa trahison et ses meurtres. Maintenant, il est pris au piège. Sans espoir de fuite. Pour lui, c'est tuer ou être tué. Du coup, on va le tuer. Et sa fille aussi. Alors, dis quelque chose. T'as raison. Et pour Kata, elle est pas beaucoup plus jeune qu'on l'était quand on nous a pris nos familles. Je sais. Toi et moi, on va traîner ça pour le restant de nos jours. Mais Kata a encore une chance. Oui, c'est vrai. Très bien. On donne non, à Baud une chance de se rendre. On la termine aussi. Et pour nous. J'arrête pas de penser à ce que Seré a dit une fois. C'était un avertissement. Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Je ressens tellement de haine envers Baud. Seré a remporté sa lutte contre le côté obscur. Tu remporteras la tienne. Parti, on est au temple. Oui, 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 oui. Vas-y, scan. Ce monde ne connaît pas la corrosion. Tu entends ? Kata. Kata, je vais te buter ! Je vais te buter, mais parce que tu chantes en fait. Salut Kata. J'ai jamais dit son nom. Voici Mérine. C'est une amie. On va te fumer. Je suis désolée que papa t'ait blessé. Ouais. Il a dit que je te reverrai jamais. Qu'est-ce que vous faites ici ? Kata, ton père a volé quelque chose d'important. On va lui demander de nous le rendre. Tu veux bien nous montrer le chemin ? D'accord. Suivez-moi. Mais on va le tuer là. On la rend complice du meurtre de son père. J'aime pas cet endroit. C'est sombre et isolé. Tu n'as pas à avoir peur. C'est encore plus effrayant maintenant. C'est mieux ? Super joli.
Abuse pas. Comment vous êtes arrivé là? Ça n'a pas été simple. Vous n'auriez pas dû nous suivre. Papa, non! N'approche pas, Kata. C'est le seul moyen de te protéger. Elle sera en sécurité. Je te le promets, Baud. Mais écoute-moi. C'est terminé. Dépose tes armes. Cette planète sera un refuge pour ceux qui sont persécutés par l'Empire. Y compris Kata. Et toi? En attendant, tu dois te rendre. Maintenant. Va-t'en, Kata. Écoute-la, s'il te plaît. Ça suffit! Moi de décider comment protéger ma famille. On le fume. On va te gun kata la gueule. Oh dommage que j'ai pas pris ma position de gun kata. Oula oula oula. T'es un dingue toi. Pas touche à Mérine. Balle de vie. Alors c'est très dommage pour toi parce que maintenant je maîtrise le côté obscur en fait. Regarde, je suis pas tellement vénère. C'est le dropkick quand même. C'est tout ce que t'as, Kestis. C'est mon foyer maintenant. T'étais un Mabulito depuis le début, je le savais. Ah,
la taper dans le foie pour qu'elle fasse. Est-ce que. Non, vas-y, ça dégoûte. Comment ça, faut craquer? Mais c'est tout le principe du jeu, de pas craquer au côté obscur. C'est pas logique. Non, mais j'ai fait exprès, parce que en fait, là, il y a un écho. Notre décision est sans appel. Tu vois? Maître Ransisis, tout est fait exprès. Il a la force de se battre. Et je l'admire, mais on risquerait bien plus que sa vie. Les vaisseaux s'en vont. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vous suggère de vous joindre à nous. Quelle déception! Oh, c'était un no-hit. Le qui ramène son gun. Hein. Ouais, tu me connais pas. Non. J'avais esquivé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là j'ai pris très très cher sans raison. Ah, ça on connaît. Non! Et le côté obscur, j'ai. Il ne l'a pas demandé? Sauter. Par ici, Bélier.
Oh mais sérieusement. Tu veux se calmer là deux secondes? Le bisou. J'ai plus le droit à l'erreur, Maud. D'être orphelin. S'il te plaît, écoute-les, papa. D'accord. Et quand l'Empire sera là, est-ce que vous serez capable de protéger ma fille? Je suis désolé, Kata. J'ai essayé. Ah oui! Ça y en a marre. Encore? Allez! Une petite balle en plus là. Comment te sens-tu? Je l'aimais pas, de toute manière. Merci. Bien. On devrait discuter. Je n'étais pas beaucoup plus âgée que toi quand j'ai perdu ma famille. J'ai vécu avec cette douleur pendant des années. Je ne voulais pas aller mieux. Pourquoi? Je pensais que si j'oubliais la douleur, j'oublierais aussi les personnes que j'aimais. Mais je me trompais. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui avait aussi perdu sa famille. Ensemble, nous avons trouvé une manière de survivre. Cette douleur est la tienne. Elle fait partie de toi. Pour récupérer le jetpack, par contre. Quand ma maman est morte, ça a changé, papa. Et moi aussi. Je pense. Oui. Mais elle n'a pas à te définir. Et tu ne dois surtout pas la laisser te submerger. Ça veut dire, ne te venge pas plus tard de nous.
Ah bah je savais bien qu'ils étaient dans le coffre. Là dans le feu. Hop, un petit coup de force là. Avec son père. Pauvre Mookie. Ah, c'est en accéléré, d'accord. Et ça sent pas le cochon grillé là? Ce que ça implique d'être un Jedi. Et vous n'êtes plus là. On va perpétuer votre héritage, Céré. On va construire quelque chose qui survivra à l'Empire. Je vous le promets, je vous le promets. J'ai peur. J'ai bien failli me perdre. Je sais pas si je suis prêt. Je sais pas si je suis prêt pour tout ce qui nous attend. Guide-la à travers les ténèbres.
On a fini Jedi Survivor. Ah, ce live de 6 heures pour finir le jeu. Session de fou. Et bah c'était très sympa. L'aspect open world est plutôt anecdotique. Mais sinon c'était vraiment très très sympa. J'ai bien aimé. Même si Star Wars, je m'en bats la race. Allez, salut YouTube. Je vous laisse avec les crédits.
Bon, c'est trop long. C'est trop long, ça me saoule. Eh ben, c'est pas vraiment ce qu'on attendait. Mais cet endroit, c'est chez nous maintenant. Oui, Grise. Oui, il faut croire. Mais on a encore beaucoup de travail. Ça va prendre du temps de contacter le passage. Et trouver les anachorètes. Et construire un saloon. Cet endroit est flippant, mais il y a du potentiel pour créer une franchise. Cet objet te revient. Ça nous revient à tous. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce qu'on tente le coup? Oui. Allons-y. Ah, c'est ça qu'on veut. Oh, oh. Génial. Allez, je parie ta faim. Je vais te faire un truc à manger. T'as déjà mangé du steak de Skaz? Salut YouTube.